Si je n'avais pas été religieuse, j'aurais gardé toutes mes robes et mes jupes, mes talons hauts, mes rouges à lèvres, mes dos nus, mes fards à joues et à paupières. Tu aurais peut-être ma main dans la tienne, mes lèvres sur tes lèvres, ma tête sur ton épaule et mon cœur dans ton cœur. Mais si je n'avais pas été religieuse, j'aurais perdu une part de moi. J'aurais eu peur de t'accueillir. Toi, tu aurais sûrement voulu me fuir. Si je n'avais pas été religieuse, peut-être que j'aurais choisi pour moi, pour toi, pour tous les autres. J'en aurais fait qu'à ma tête. Peut-être que j'aurais dansé pour faire la fête, sans jamais m'arrêter, sans jamais écouter, sans pour autant m'en amuser. J'aurais brûlé au théâtre, joué tous les soirs. Tu m'aurais attendu. Ça aurait pu être bien aussi. Mais j'ai choisi de vivre autrement, peut-être plus pleinement. J'ai senti un appel. J'ai voulu répondre, mais comment? J'ai essayé pas mal de trucs, et puis j'ai choisi un moyen. Et tout le spectacle est là. Suivre les intuitions d'une femme qui a vécu il y a 100 ans. Je suis Maud. Je suis comédienne. Je suis religieuse. Je suis plusieurs.